cette vidéo, je vais te poser deux questions. Est-il essentiel d'avoir deux gardes? Le boxeur moderne doit-il être un boxeur ambidex? C'est Chinois. Aujourd'hui, je voulais parler de boxe avec deux gardes, savoir boxer en étant droitier et gaucher. Je voulais aussi te donner quelques conseils à la fin pour pouvoir augmenter tes capacités à devenir boxeur en ambidex. Et je veux dire ce que j'en pense. Je ne sais pas si je peux conseiller cela aux personnes qui commencent la boxe, car au bout du compte, à vouloir faire deux gardes lorsque tu commences la boxe, tu risques vraiment de retarder ton apprentissage. Et à part si tu es un prodige comme Prince Nassim Ahmed, qui lui, lorsqu'il commençait la boxe, était déjà, en tout cas, tôt a été rapidement ambidex et a su rapidement boxer sans les mains levées. Et déjà une base solide avant de partir un peu partout. Le but n'est pas de te dire qu'il est essentiel d'être un boxeur ambidex, c'est-à-dire un boxeur savant utiliser ses deux gardes, mais que ça peut être utile pour pouvoir désorienter ton adversaire. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à Shedrick Hans, n'hésite pas à liker si tu aimes la vidéo et n'hésite pas à t'inscrire à un newsletter et du contenu exclusif pour apprendre la boxe. Donc dans cette vidéo, je voulais parler du fait de devenir un boxeur ambidex, le fait de pouvoir se mouvoir avec deux gardes. Et c'est une chose que j'ai pu utiliser auparavant, et d'ailleurs ce genre de garde est très utile pour pouvoir déstabiliser ton adversaire, pour pouvoir aussi être un boxeur multifonction, c'est-à-dire pouvoir vraiment se déplacer, avoir un déplacement plus accru, des choses qu'on n'apprend pas forcément en club. Et d'ailleurs, c'est pas tous les professeurs de boxe qui sont comme ça, mais certains professeurs de boxe sont, ont pour but de te calquer un style, de te briguer, de te mettre dans un cadre. Et cela peut être parfois frustrant lorsqu'on est un boxeur créatif, qu'on a besoin d'innover, de faire de nouvelles techniques. Et je trouve que le fait de savoir utiliser ces deux gardes, et quand je dis savoir utiliser ces deux gardes, c'est pas forcément avoir les deux gardes de façon optimale, mais d'avoir une garde de base, par exemple être droitier, être super efficace en étant droitier, et de temps en temps être gaucher et savoir plus ou moins utiliser au moins beaucoup son jab. D'ailleurs, je vais te donner une astuce pour utiliser son jab quand on change de garde, car bien souvent quand on change de garde, on a tendance à être plus crispé dans le bras avant, vu que au départ c'est le bras arrière, et comme tu sais, surtout en tant que droitier, le bras arrière on l'utilise pas trop, on ne fait pas des rafales de coups comme le peut le faire les gauchers. Et je peux voir que la nouvelle génération de boxeurs utilise formidablement les doubles gardes. Il y a un combat, il y a un bon petit moment qui m'a surpris, plutôt c'est un boxeur qui m'a surpris, c'est Terence Crawford, qui a fait un combat contre Gamboa, un cubain, très bon cubain. Avant ce combat, Terence Crawford, c'est vraiment un boxeur que je ne calculais pas, qui avait un très bon niveau. Il a toujours un bon niveau, c'est vraiment le futur cador de sa catégorie. Mais néanmoins, c'est des boxeurs que je ne suivais pas trop. Et lors de ce combat, je suis totalement surpris. C'est que il a effectué trois premiers rounds en étant droitier, et le combat était bien, mais un peu plat. Il a ensuite changé de garde en étant gaucher, et là les choses ont changé. Ce combat m'avait vraiment rendu dingue, car je regardais ce combat en direct, et lors du changement de garde, je n'avais pas compris la chose. Je me disais qu'il y avait un truc qui tiltait au niveau de l'attitude de Gamboa, qui face à la nouvelle position de Terence Crawford avait une difficulté à pouvoir rentrer dans sa garde. Et c'est après le round suivant que j'ai
J'ai calculé qu'en bout du compte, il avait changé de garde et il a complètement atomisé Gamboa. Et c'est à partir de là que je me suis dit que putain, en fait, le fait de pouvoir vraiment changer de garde à tout instant, c'est vraiment un truc de dingue. Je me suis aussi aperçu que Daniel Jacob avait effectué la même chose contre Golovkin. Et si tu ne connais pas Daniel Jacob, c'est un très bon boxeur qui avait eu un cancer auparavant et qui est parvenu à battre son cancer et à revenir dans le niveau mondial et à vraiment combattre parfaitement contre Golovkin. Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'un des premiers boxeurs à énerver Golovkin. Il a terminé le combat jusqu'à la limite. Même moi, j'aurais donné vainqueur tellement que j'ai kiffé le combat. Il s'est mis à reculer et surtout, de temps en temps, changer de garde pour pouvoir un peu déstabiliser mentalement son adversaire. Et c'est un truc qui peut être intéressant. D'ailleurs, dis-moi si de temps en temps, tu essayes de changer de garde. C'est un truc intéressant pour pouvoir déstabiliser ton adversaire. Si moi auparavant, il y a 8 ans de ça, j'ai essayé d'être ambidextre, moi c'était plutôt le fait, lorsque j'avais effectué ça à l'époque, je voulais complètement être gaucher. Et cela est venu après avoir vu les combats de Manny Pacquiao et aussi de Vic Darchinian. Et voilà l'inconvénient du fait d'être ambidextre, en tout cas pour moi à l'époque. Là, j'essaye de temps en temps travailler sur le fait d'être gaucher. J'y arrive mieux parce que je suis plus serré et je suis plus protégé. Néanmoins, il me faut de la pratique. Je pense qu'il faut beaucoup de pratique en salle et aussi en faisant des combats pas très importants pour pouvoir se forger une bonne acuité. Mais moi, à l'époque, en fait, je copiais complètement le style de Vic Darchinian. C'est-à-dire la garde un peu baissée. J'ai effectué ce genre de style lors d'une finale de championnat d'Île-de-France. En plus, c'était assez dangereux face à un boxeur qui était vice-champion d'Île-de-France moins de 10 combats. J'ai gagné le combat en troublant avec ce style bizarre. Mais néanmoins, après avoir revu le combat, j'ai vu qu'il y avait des problèmes de garde et autres et j'ai préféré arrêter la chose. À sa Manu, tourne pas sur sa droite. Tourne de l'autre côté un peu là. Ouais Manu. Voilà Manu. Voilà Manu. Voilà, ça touche. C'est bien, ça touche ça. Ouais. Et double, triple. C'est mon gaucher là. En gaucher, en droitier si tu veux. Gaucher, droitier, au milieu comme tu veux. Au milieu même. Montema. Montema la rue. Là j'essaye de temps en temps effectuer depuis peu mettre en gaucher. Je trouve que j'arrive mieux à assimiler les choses, à mettre vraiment en bonne garde. Et d'ailleurs, pour les conseils que je vais te donner pour augmenter ton acuité à devenir gaucher, il y a la sangle que tu peux mettre au niveau de tes chevilles. D'ailleurs, elle est disponible dans la boutique Ricans. Cette sangle te permettra en fait de te mouvoir. La résistance lorsque tu étireras la sangle te permettra en fait à ton cerveau d'être relié avec tes appuis. Et comme tu sais, les appuis sont primordiales pour tout boxeur. Avant les points, c'est les appuis. Vraiment, on va dire 70% de ta boxe se passe au niveau de tes appuis. Et justement, les sangles te permettent en fait de relier ton cerveau, avoir une bonne liaison de ton cerveau avec tes appuis pour te permettre de bien avoir les sensations du changement de garde. Le deuxième conseil que je pourrais te donner aussi, c'est avec les sangles au niveau des genoux qui permettraient de centraliser tout ça au niveau cerveau-appui pour pouvoir unir vraiment tes appuis avec ton cerveau, c'est d'utiliser des poids, une kettlebell pour pouvoir vraiment t'asseoir sur tes appuis, avoir vraiment tout aussi un bon renfort de ta sangle abdominale, c'est-à-dire ça fait travailler ta sangle abdominale en même temps, et le tout permet vraiment d'avoir les sensations surtout au changement de garde. Surtout le changement de garde, ça peut être utile lorsque tu veux frapper par exemple avec le bras arrière, mais en le ramenant direct pour qu'il devienne le bras avant. Un truc qui est parfaitement intéressant pour déstabiliser ton adversaire, surtout lorsque tu veux rentrer en corps à corps.
Le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est au niveau des bras avant. Comme je t'ai dit, quand on est droitier, on n'est pas comme les gauchers, on n'utilise pas forcément rapidement le bras arrière. Et lorsqu'on change de garde pour devenir gaucher, on a tendance à être crispé au niveau du bras avant quand on est gaucher. C'est un truc que j'ai remarqué. J'ai comme la sensation d'avoir une sorte de loquer au niveau des coudes et j'ai vraiment mal à envoyer la charge. Maintenant, j'y arrive mieux. Et la chose qui est intéressante, c'est utiliser les élastiques pour pouvoir vraiment accéder à une pleine rapidité au niveau de ton bras avant en étant gaucher. Et je déconseillerais un peu les poids, vraiment utilise des petits poids. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, tu peux la regarder, la fiche va apparaître dès maintenant. Privilège les élastiques à la place des poids. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses si tu as l'occasion d'être ambidex. D'ailleurs, n'hésite pas à aller dans la boutique Ricant. Comme tu le sais, il y a les élastiques Fighter 2.0 qui te permettent de travailler au niveau de la rapidité de tes coups. Ces résistances te permettent en fait de travailler la rapidité de tes coups, aussi l'endurance, la résistance à envoyer tes coups, et cela en shadow boxing, au sac de frappe et aussi en sparring, car les harnais sont composés de poignées qui te permettent de mettre tout ça dans tes gants et de te mouvoir plus rapidement.